Yo, 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 les amis, c'est l'Austral, l'Austral en slip devant sa télé pour la suite de son playthrough sur State of Decay. Alors, on va profiter du temps de chargement du jeu pour fermer les volets. Heureux. Putain, je suis en train de m'emmêler les pieds dans les fils là, j'ai des câbles larges chez moi, c'est un studio d'enregistrement, le bordel. Tac, enregistrement audio actif, enregistrement vidéo actif, c'est parti. En avant Guingamp, alors, j'ai noté ce qu'il fallait que je foute. Construire une zone de repos, c'est un conseil qu'on me donne. J'avais... Soins médicaux de qualité. Alors du coup, j'avais amélioré l'infirmerie la dernière fois. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a été fait? Ou est-ce que... Putain, je sais pas du coup. Je sais pas. Vu que j'ai quitté le jeu, est-ce que ça a annulé le truc? Parce que là, je vois qu'il y en a un qui... Vous voyez là, le truc bleu là, soins médicaux de qualité, plus 10% max vitalité pour tout le monde. Est-ce que je l'avais déjà ce truc là? Je sais pas si ça a été amélioré, hein. Ça fait chier cette histoire. Apparemment oui, parce que ça me demandait 25 matériaux de construction. Alors attendez, c'est où? Putain, c'est le bordel. Ça me demandait 25 matériaux de construction. Et là, le prochain niveau, il me demande 40. Donc apparemment, c'est bon, hein. Ça a été... Par contre, il faudra que j'ai une bibliothèque. Ok. Ok. Alors les possessions, la bouffe, putain, la bouffe, ça commence à être léger, hein. Ça commence à être léger, hein. Je vais noter aller chercher de la bouffe quand même, parce que bon... Si j'en trouve en chemin, ça serait pas mal. Quentin Barnes. Tu devrais aller voir. Ok, apparemment, il y a un nouveau mec à aller chercher. Prénommé Jack. Ok. Ça, c'est mon perso actuel que j'ai. Je peux jouer avec Maya. Je peux pas jouer avec les autres pour l'instant. J'aimerais bien jouer avec ce connard là, mais... Alan Gunderson, parce que j'aime bien son skin là de shérif là. Le problème c'est que je suis pas encore assez ami avec lui. Il va encore falloir que je fasse des missions, je suppose. Faut que je lui parle, faut que je lui parle, mais lui il est vachement... C'est un sauvage ce mec quoi. T'as beau lui parler, la barre elle monte pas tant que ça donc... Non non mais là on va déjà aller avec, voilà, avec lui, c'est très bien. On va aller donc... construire une zone de repos. Est-ce que j'ai assez? Non j'ai pas assez normalement. Parce que j'ai niqué tout mon matos. Ouais, j'ai niqué tout mon matos de toute manière. Zone de repos, c'est ça, mais j'ai niqué tout mon matos de construction. Ok, bah alors là, déjà, dans un premier temps, on va aller chercher le docteur, parce que c'est la mission la principale. Le docteur, par contre, où est-ce qu'il se situe ce connard? Il est tout là-bas. Aller chercher le docteur Hansen. On va faire ça, les mecs. On va faire ça, on va aller chercher le docteur. En plus, la mission est déjà activée, donc c'est parfait. Je vais juste m'équiper un petit peu. Je vais prendre un flingue avec des munitions, ouais, carrément, ouais. Par contre, fusil 750 Forester. Je vais récupérer ce fusil-là, parce que ce fusil-là, il est pas top, hein. Je vais foutre ça là-dedans. Voilà, je vais récupérer ce fusil-là, là, le modèle 750. C'est du 762 qu'on me demande. Non, non, c'est lui, voilà, c'est celui-là que je voulais prendre, c'est le Squirrel. Le Squirrel, ça c'est quoi? Des bruits, ça on va le garder, ça peut permettre de faire diversion. Ça on va y poser, on voulait y donner à Maya, donc on va y poser pour le moment. On garde toujours une arme de corps à corps. Et on prend des munitions, il me faut des munitions de calibre 22. Lesquelles sont? C'est celles-ci, voilà. On va en prendre pas mal. On va prendre deux stacks de 30. Ça devrait faire l'affaire. Et voilà, ah oui. Par contre, faut que je pose celle-là de munitions. Ah bah non, bah d'accord. Ah ok, j'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est les mêmes, ouais. Donc on va garder ça. 20... 34 munitions, ça devrait être pas mal. Allez hop, c'est parti, en avant Guingamp. On va aller chercher le toubib. Avant que Ed Jones ne meure. Parce qu'il est encore blessé, ce connard, il a pas l'air de vouloir se rétablir, hein. J'ai l'impression que le soleil va pas tarder à se lever. Ce qu'il me faudrait, c'est un véhicule. J'en ai un ici, mais il est pas mal endommagé. Et tout ce que j'ai là-bas, c'est endommagé aussi. Donc ce qu'il faudrait aussi, c'est des pièces pour
pour réparer les véhicules. J'ai vu qu'il y avait un garage en ville, j'irai peut-être un peu plus tard. Apparemment, faut que je passe. Non, je finissais de lire le bordel là. Anything I need to worry about with this doctor? He's not a doctor, people. He can be a little crusty sometimes, though. Crusty? Everybody'd love to have Doc as a full-time resident, but he's refused all of us. He says it would impede his ability to look after all his patients. Nobody's had the guts to push. Merde, je crois que j'ai déclenché une autre mission. Ah, j'ai déclenché une autre mission, les mecs. C'est pas de soucis, je me barre. Listen, man, we need some help here. A bunch of us are crammed into the church and we... Hey, let me stop you right there. This is not a rescue mission. Best thing you can do is go home, lock the doors, and shoot anyone paler than your average geek. The fuck? How can you just ignore this? Move along, please. Ouais, mais du coup, où est mon véhicule, là, putain? Ah, il est là. Ok, donc c'était la mission de l'armée là que j'ai déclenché sans le vouloir en passant dedans. Ça tombe bien, de toute manière je voulais pas la faire. Du coup elle s'est activée automatiquement, ça fait chier ça. Quitter la zone, ouais c'est ce que je comptais faire de toute manière. Voilà, c'est fait. Exactement, de toute façon je me serais bien passé de l'aide de l'armée quoi qu'il arrive. Alors on m'a dit qu'il y avait un chemin de terre à emprunter. Putain il est derrière moi, ok c'est le chemin de terre que je prends pour rentrer à chaque fois au campement. Ok ok. Fuck. Faut pas que je tombe en panne ici, ce serait ballot. J'aimerais bien changer de véhicule là d'ailleurs. L'autre il m'a l'air beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable. Allez monte, 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 monte. C'était juste, mais voilà, ça rajoute un petit peu de suspense. Bah d'accord, oui. Il m'a l'air plus fiable, mais je le pète dans un roc d'entrée de jeu. Allez, hop, c'est bon. En avant, Guingamp. On va chercher le toubib pour soigner Ed Jones. Il faut que je longe le chemin de terre tout le long. Et ça m'amènera à la ferme, donc, dans laquelle se situe le... dans laquelle se trouve être le docteur, le toubib. Ça doit être ce bâtiment-là au fond, là-bas. Attention, all civilians currently squatting in this godforsaken valley. This is the army. And since you apparently can't figure it out for yourself, we are better armed, armored and equipped than a bunch of drunk hillbillies with hunting rifles. Oui, il se montre déjà menaçant l'armée. You can force us to take you away from all of this, because we will shoot you. Voilà, c'est bien ce que je disais. Putain, j'avais raison. Une fois de plus, j'avais raison. Hein. Vous voyez, l'armée se montre menaçant. Quoi qu'il arrive, l'armée se montre menaçant. Les mecs ont le pouvoir, ont les armes, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ça fait chier à chaque fois que c'est pareil dans les... C'est justement, y'a pas de soucis, l'ami. Apparemment, c'est des violents, à ce que j'ai vu, en plus. Détends-toi, je viens chercher un toubib. Apparemment, les mecs sont des violents, à ce que me disait la nana dans le... Par message radio. On va y aller en... tranquillement. Alors, c'est quoi, la ferme? C'est ça, là-bas, au fond, là? Ouais, carrément, c'est carrément ça. Il n'y a rien ici à récupérer. Ah oui, c'est vraiment une ferme abandonnée. Hein. À chaque fois, je fais le truc à l'américaine à côté de la porte, enfin de l'entrée, tu sais, à côté de la brèche qu'il y a dans le portail, ça sert à rien ce que je fais. Alors, faire attention parce qu'apparemment les mecs sont des dangereux ici. Le problème c'est que les sous-titres ils vous sont affichés quand vous êtes en bagnole. Alors c'est pas toujours évident de les lire, hein, mais ça c'est un petit peu le problème du jeu, c'est un petit peu comme GTA 4. Where's Doc Hansen? We need to get going. Doc says Eli ain't good to move. Merde, les mecs sont armés, ils sont bourrés.
there's a whole mess of them fuckers working their way over here. That's right, Mickey. So why don't we put our friend here to work? Fine, you hold his hand. Check on me, Eli. That's your call whether you want to help or be a pain in my ass. I'd be more than happy to nail you. Essaye, fils de chien, je vais t'envoyer une balle entre les deux yeux, tu vas vite comprendre ta douleur, enculé. J'ai horreur de ces connards qui se mettent en travers de ton chemin. Alors, c'est déjà assez compliqué comme ça. Faut qu'il y ait toujours un connard de survivant pour faire chier le monde. Voisinage découvert, ok. Confiance, j'ai pas la confiance ici. Alors il faut que je barricade les fenêtres. Alors moi j'ai pas besoin de morceaux de bois contrairement à ce que m'a demandé ce connard. Putain j'aurais su j'aurais plus du monde hein, avec moi. Putain, je savais pas. Apparemment, c'est une mission qui va être assez complexe, les amis. Apparemment, ça va péter de partout. On va se faire attaquer par des hordes. Il va carrément falloir que je joue avec le feu. Putain. Comment on fait? J'ai carrément des cocktails incendiaires tout le bordel. Ok, ça va chier, les amis. Ça va chier. J'aimerais bien aller à l'étage. Putain, ça va être la misère. Apparemment, ça va être la misère, cette mission, les mecs. Ils arrivent par où? Putain de merde, j'ai tout foutu en l'air. J'ai tout foutu à côté. Je sens que ça va être la panique cette mission. J'ai oublié de fermer une fenêtre. Où est-ce que j'ai oublié de fermer une fenêtre? Ici, mais on pouvait pas le faire. On peut pas ici. Putain de merde. Oh, ça va ramer. J'ai l'impression que le jeu va pas supporter le... d'avoir trop de zombies affichés à l'écran. Ça risque de ramer un peu. J'adore ce genre d'émission de défense. Putain, y'a un gros sac à merde. Ouais, il a one shot le... Dépêche-toi de recharger. Putain, ça sent la merde cette mission. Allez. Putain, allez, reste en place, culé, reste en place, reste ici. J'aimerais bien voir son visage, mais. Putain, j'arrive pas à lui viser dans la tête. Bang! J'ai tiré à côté. Oh la classe! Par contre, la baraque va prendre feu là. Putain, j'arrive pas à lui tirer dans la tête. Putain, mais il a rien, ça lui fait rien le mec. Ça lui fait rien quand je lui tire dans la tête. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il est débile, il arrive pas à passer à travers la vitre. Donc moi, ça m'arrange. Parce qu'il me ferait énormément de dégâts. Et pourquoi ça lui fait... Bah si, il me fait des dégâts pourtant. Je comprends pas là, je comprends pas les mecs. Putain! Reste là. Et voilà! Espèce de salope. Je l'avais pas vu arriver celle-là. Je l'avais pas vu. Et je crois que je suis parti sans médicaments en plus, les mecs. J'avais vu sur internet qu'apparemment pas mal de monde était mort à la mission. Sur les forums, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des persos à cette mission-là, la mission du Tubib, ils appellent ça. Je commence à comprendre pourquoi. Ah, elle est passée. Bang! Mettons les secondes à profit, ouais. Il me reste un cocktail Molotov. Pour l'instant, j'en ai utilisé deux dans le vent. Tellement j'ai fait de la merde.
Ça continue à arriver là-bas au loin, je vois. Il y en a un qui est passé là de zombie là, non? Progression de mission. Pour l'instant, la mission se déroule tranquillement. Enfin, tranquillement, non, mais. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop trop mal. Ça rame un petit peu sur ce genre de mission avec beaucoup de mobs à l'écran. Allez, c'est reparti. On est déjà en train de se faire attaquer. Je vais aller me positionner dans les escaliers. C'est un bon spot ici. Oui, ça me permet de les abonner à distance, les mecs, si je fais pas trop de la merde. Putain, par contre, pour viser, c'est pas facile. Hein. Là, je dois vous avouer que je galère. Hein. En tout cas, pour viser dans la tête, c'est pas tout ce qui est le plus évident. Ah, putain, il y a de l'action d'entrée de jeu sur l'épisode 9, là. Enfin, c'est le 9, je sais même plus où j'en suis dans les épisodes. En tout cas, c'est pas évident ces conneries. Ça me fait penser à. Au jeu de zombies sur les Call of Duty, tu sais. Le World at War là. Il y avait un jeu comme ça à la con là, fallait barricader les fenêtres et tout parce que t'avais les zombies qui t'attaquaient. Putain! Je suis en train de niquer toutes mes munitions pour des conneries. C'est bon, il est mort. Je sais pas s'il faut obligatoirement le tirer dans la tête, parce que là je crois que je vais tirer dans le bras et ça suffit. Logiquement, un zombie digne de ce nom, hein, c'est dans la tête qu'il faut. Toujours recharger pendant qu'on est safe. Après, ça sera trop tard. Dernier chargeur. Oh putain, j'aurais su, je me serais stuffé quoi. Barre-toi, putain, ah j'ai niqué la barricade comme un connard. J'aurais su, je me serais stuffé davantage, hein. Putain. Ah mais non, mais je suis en train de détruire le mec, c'est le travail qu'il fait le gars. Ouais. Bon bah, écoute, on va le laisser finir de monter ça. Oh putain, ça arrive par ici, ça arrive par ici, ça arrive par ici. Merde. Il s'est relevé trop tard. Allez viens là toi, viens là enculé. Monte, enculé. Ça peut arriver à tout moment derrière moi. Non c'est bon. Allez, fini de travail enculé, parce que si moi je tire. Hop, je l'ai eu. Il y a une horde qui est en train de se pointer là sur le côté gauche de la minimap. Il a pas l'air très pressé le perso là. On va éviter d'utiliser trop de munitions d'ici parce qu'apparemment je leur fais pas de dégâts. Je suis trop loin. Je tire à côté donc ça sert à rien. On va revenir en bas, essayer de défendre la zone un minimum. Enfin un maximum, un minimum le gars, motivé. Putain, c'est des médocs que j'aurais dû prendre. Ah ouais, carrément. J'aurais dû prendre des médocs. Putain, j'ai fait l'abruti, quoi. Je sais pas combien de temps va durer cette mission des ténèbres. Il y a une horde là qui est pas loin de. Pas loin d'arriver. J'aime bien mon perso là, j'aime bien le perso que je joue actuellement, je l'adore. J'aimerais bien ne pas mourir avec lui. Merde, trop tôt. Je suis à sec. Il vient de dire que je suis à sec. C'est pas grave, il me reste un des points. Est-ce que ça suffira dans ce genre de mission? J'en doute. Putain, j'ai utilisé trop de munitions. Le jeu se complique, chers amis. Pour l'instant, c'était assez simple. Mais là, je dois vous avouer que le jeu semble se compliquer légèrement. Il y a une horde là-bas au loin, ok. Ouais. J'ai plus de. Si, il me reste des cocktails molotov. On va les équiper d'ailleurs. Dès que la horde passe la porte, je balance un cocktail. Nique sa mère la pute.
sais pas si on peut viser avec les cocktails. Allez, vas-y, passe, que je te fasse ta fête, toi, salope. Putain, j'aurais dû prendre des médocs, hein. J'ai plus ma barre de santé, elle commence à tirer la gueule. Dépêche-toi de passer, dépêche-toi de passer, dépêche-toi de passer. Elle arrive. Allez, viens. Elle est buggée. On va en profiter pour la dézinguer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bang! Combien de temps ça va durer, ces conneries? Y a pas une voiture en dehors qui pourrait m'aider à dézinguer les... Si, je sais ce que je vais faire. On va se la jouer survivant de l'enfer. Allez, accélère. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Faut que je revienne dans la zone d'émission, je sais. Mais justement, les mecs, ça fait partie de la mission. Revenir dans la zone d'émission. Faut que je reste à tout prix dans la baraque, je crois, non? Ah, ça fait chier, ça, parce que moi, le but du jeu, c'était de... de prendre les devants comme ça, là. J'espère que ça va pas m'annuler la mission. Oh, j'ai dézingué la bagnole. Wow. Il est épique ce que j'ai fait. Et voilà. J'ai pris un niveau de combat. Est-ce que je peux barricader les fenêtres depuis l'extérieur? Non, je suis obligé de rentrer. Éliminer les zombies, ouais, c'est ce que je suis en train de faire, ouais. Ah, il y en reste un là-bas. Oh putain, c'est un gros sac. Ah, c'est bon. Voilà, j'ai fini la mission, j'ai pas perdu un seul perso. Bah, ça fait plaisir. Peut-être, enfin, elle est peut-être pas finie, hein, me direz-vous. Reste pas près du cadavre. Non, non, ça c'est du bullshit, ça. Ça c'est du bullshit, ça. Putain, non. Faut le laisser là, on le brûle, terminé, quoi. Je suis d'accord. Doc, you can't ask me to do this. I promised Ma I'd take care of him. I'll do it. Avec le mec de The Last of Us. Ah, que bonnet noir là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Prendre soin d'Ellie, c'est lui Ellie? Et comment ça prendre soin de lui? Qu'est-ce qu'il faut que je foute? Je comprends pas là. Ouais, fallait que je l'achève, ok, tout simplement. Fallait que je l'achève avant qu'il se réveille. Eh ben, c'est fait. Plus 30 influences, t'as la mission terminée. Nouveau type de zombie, gros enfoiré, fuck, j'ai débloqué un nouveau type de zombie. Gros enfoiré, je crois que c'est les gros sacs à merde que j'avais essayé de, tant bien que mal, de shooter à la fenêtre. Est-ce qu'ils peuvent venir avec moi? Lily se détend. Bah, tant mieux pour elle, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux les jouer? Frank Johnson, Sam Hoffman, Jack Opriter. Non, je peux pas les jouer. Est-ce que quelqu'un a vu Jack? Nanani, nanani. Ok, mais j'ai pas compris l'ult to be. Bon, question là que je viens de. Et des ressources ici à récupérer. Il y a des ressources à récupérer. Et eux, ils en ont rien à foutre. Il y a des ressources ici à récupérer. Ah, c'est ici. Ah oui, effectivement, oui. Effectivement, ouais. Eh ben, écoutez, on va tout prendre, hein.
J'ai bien fait de regarder. Ouais, on va tout prendre, mais non, j'ai pas assez, moi. Ça fait chier, ça. Ah, mais c'est un placard! Putain, merde! Ouais, mais j'aimerais bien tout prendre pour ramener tout. Pour tout ramener à la... au campement. Ça qu'est-ce qu'il dit? Je peux pas tout prendre de toute manière. On va foutre ça en réserve, j'en ai pas besoin. Je peux pas stocker davantage, j'ai pris trop. Par contre, ça je vais y prendre. Eh ben non, je peux pas non plus. Ok, donc ici il y a du stuff, faut que je le marque ça. Putain, ça fait chier ça, faudra que j'aille rechercher avec un autre perso. Dommage que ça on puisse pas demander aux autres zinc d'aller en chercher à notre place. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Lui il est mort de chez mort, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Alors il y a marqué ressources, il y a des munitions là comme le problème c'est que je vois pas où est le placard à ressources. Il n'est pas ici. Il n'est pas dehors. Il y a un placard à ressources apparemment, il y a un truc à côté du plumard là, mais... Enfin, c'est pas vraiment un plumard, mais... Vous m'avez compris. Ok, ok. Ok, 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 ok. Donc, l'émission, où c'est qu'on en est là? Ouais, sur une zone de repos, ouais, on s'en fout. Quelqu'un a besoin de parler. Hey, Lily, your folks haven't seen Bill around anywhere, have they? I don't think so. Oula. Ok, donc il y a deux missions qui m'attendent dans ce village là. Là, ça doit être un barrage, ça. Alors, il y a deux missions qui m'attendent dans, dans cette ville là. On les fera plus tard, les amis. Là, pour l'instant, l'heure est aux munitions, aux réserves. L'heure est à la fouille. Il faut que je trouve les ressources dont on me parle ici, elles sont où ces putains de ressources? Ah ah, non, salut et machin. What the fuck? What the hell you want? Ok, si tu veux. Bon, bah, apparemment c'est bon, il n'y a plus rien à trouver ici. Hein. À moins que ce soit en extérieur, non, ça m'étonnerait aussi. Bizarre, bizarre. Ah, je vois qu'il y a un petit truc là-bas, je vais juste aller regarder ce qu'il y a là-dedans. C'était un alambic ça apparemment. Le mec se faisait de l'agneau en solo, en secrète. Ok, bon. Bah écoutez, il n'y a rien d'autre à faire ici. On va reprendre le véhicule. Et on va rentrer à l'église. On va changer de perso. On va déjà aller stocker tout le stuff avec lui. Je vais faire ça en off les amis. Je vais faire ça en off. Donc là, je vais rentrer avec, avec ce perso là à la base. Si je trouve le chemin. Voilà. On va essayer de pas niquer trop le véhicule sur les rochers. Voilà, tac. Je vais changer de voiture parce que celle-là elle est complètement détruite. Allez hop, c'est bon. On rentre à l'église les amis. Je vais couper ma vidéo quand je serai à l'église. Je vais foutre du stuff dans mon placard à réserve qui se trouve à l'église, hein, tout simplement. Et une fois que j'aurai fait ça, je couperai la vidéo. Je prendrai Marcus ou je sais pas quel connard. Et j'irai récupérer récupérer le reste, hein, dans la ferme abandonnée. Je vais tout piller leurs munitions au mec. Sans aucune forme de pitié. It might be time I had a little talk with the Wilkersons. You might want to ask Job about it. Mickey's got that temper. I hate to think how he'd respond to an accusation like that. Les Wilkerson. Alors apparemment les Wilkerson c'est une... Pushing yourself like crazy. Rentre et viens te reposer. Ouais, c'est ce que je comptais faire, chérie.
Les Wilkerson, apparemment, c'est une famille de tarés qui font que tabasser les gens. Qui se montrent agressifs avec tout le monde. Où est ce putain de campement de merde? Ok, je suis en train de passer à côté, c'est là-bas. Mission, accusation. Et bon, on fera ça plus tard, hein. Pour l'instant, c'est pas le... pas la priorité, j'ai envie de dire. Va falloir que j'aille en mission de reconnaissance chercher de la bouffe. Je vais aller au supermarché. Vous vous souvenez quand j'avais exploré la ville avec Maya, j'avais vu qu'il y avait un supermarché, une supérette, là je sais plus comment ils avaient appelé ça. Donc je vais aller là-dedans histoire de trouver de la bouffe. Une mission qui va s'enclencher ici. Où il va se transformer. J'ai peur qu'il se transforme, moi. C'est pas mon ami, lui. Hein. C'est l'ami de Marcus, mais pas de... Oh, il est bizarre ce mec. Ok les amis, je vais quitter là. Je vais prendre Marcus, je vais aller rechercher du stuff dans la ferme. Et après on ira en mission de reconnaissance dans la ville pour trouver de la supérette en question. Et pour trouver de la bouffe. A tout de suite les amis, ce sera l'épisode 10 si je dis pas de conneries. Ou 11, un truc dans le genre, en tout cas on s'en fout. A